Je bénis le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre culte. Donc c'est le temps d'écouter la parole de Dieu aussi. Comme nous l'avons demandé dans la prière, nous voulons vraiment que Dieu nous parle, car c'est lui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. C'est lui qui connaît le besoin réel de l'homme, c'est Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui peut parler et pouvoir répondre vraiment aux désiderata de l'homme. Prenons sans plus tarder les Écritures. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste pour attaquer notre texte de base. Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il le chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Le thème de l'enseignement qui est en train de nous éclairer, ou à travers lequel Dieu est en train de nous éclairer pendant tous ces temps, nous l'avons intitulé Un bon salaire. Thème que nous avons soutiré dans les Saintes Écritures à travers le passage d'Écriture que nous venons de lire, Ecclésiaste chapitre 9, chapitre 4, le verset 9. Comme c'est un enseignement, mais à caractère exhortatif, très chers compatriotes, voilà, nous allons faire un petit récapitulatif, une petite marche en arrière pour voir ce qui a été dit, quoique nous n'avons pas assez de minutes, ce qui a été dit dans les séances passées, car ça, c'est la quatrième partie de notre enseignement. Nous avons compris que l'homme qui a été à deux, qui retirait un bon salaire, mais qui à un moment est resté seul et a perdu ses bons salaires, c'était l'homme d'Adam. Dieu a créé Adam, il l'a formé de la poussière, et Dieu a mis de son esprit dans Adam. Dieu a consenti d'habiter dans l'homme à partir d'Adam, c'est-à-dire par le souffle. Par son souffle, c'était Dieu qui s'est investi dans Adam. Dieu est la vie. Dieu est souverain. Dieu est maître. Tous ces attributs de Dieu ont été manifestés dans l'homme d'Adam avant sa désobéissance. Adam était le seul souverain dans le jardin. Il a dominé sur tout. Dieu lui a accordé la domination. Adam était le maître. Adam avait la couronne sur sa tête. Il dominait, il dirigeait. Et beaucoup plus grave encore, aux cerises sur les gâteaux, Adam vivait éternellement parce qu'il n'avait pas encore connu la mort. Parce que Dieu lui a dit, la mort interviendra le jour où tu feras le contraire de ce que je t'ai ordonné. Je t'ordonne à ne pas manger du fruit de cet arbre-là. Le jour où tu mangeras, c'est ce jour-là où tu cesseras, où tu vas divorcer d'avec la vie éternelle. Parce que Adam vivait. Adam n'avait pas besoin de transpirer, comme nous l'avons dit, pour avoir son pain. La terre où était Adam lui rendait le fruit, lui était obéissante, la terre lui était fertile. Une bonne terre
avec un Adam obéissant. Adam était avec Dieu. L'Esprit de Dieu était dans Adam. Selon qu'il est écrit, le frère Elihu, quand il s'adresse à notre bien-aimé frère Job, il dit dans le livre de Job, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dieu dira plus tard, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. C'est pourquoi les jours de l'homme seront de 120 ans. C'est-à-dire, Dieu avait habité déjà dans l'homme à travers Adam. Mais par le péché, Dieu s'est repenti d'habiter dans l'homme. Il dit, mon esprit. Aujourd'hui, le frère Jacques dit, mais savez-vous pas que Dieu habite en vous par son esprit? Donc, c'est-à-dire, nous devenons la demeure de Dieu, comme le dit le frère Paul aussi. Nous sommes les temples du Dieu Tout-Puissant et l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu a habité dans Adam. Et lorsque Adam a péché, Dieu accomplit ce qu'il avait dit à Adam. Il accomplit l'avertissement. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, la vie te quittera et tu resteras à la merci de la mort. Adam a mangé. Adam est resté seul. Dieu l'a chassé. L'homme est resté seul. Dieu dit, bon, comme tu es seul, tu ne peux plus rester dans le lieu des délices. Tu avais droit au lieu des délices quand tu étais à deux avec Dieu. C'est-à-dire, quand tu désobéis, Dieu le sépare. Dieu l'éloigne du jardin qui était un lieu de délices où il y avait l'arbre de vie. Dieu laisse Adam seul. Adam devient seul. Et Dieu dit, comme les bons salaires ne les retire que celui qui est à deux. Comme tu es seul, les bons salaires, tu ne l'auras plus. Maintenant, ton salaire, tu cultiveras la terre. La terre que j'ai maudite, parce que Dieu dit, la terre sera maudite à cause de toi. Tu cultiveras la terre, mais celle-ci te produira des ronces et des épines. Donc, Adam seul, par la désobéissance, sans l'Esprit de Dieu, la vie en lui, Adam a pour salaire un salaire de douleur, un salaire minable, un salaire médiocre. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui est seul. Celui qui est seul est malheureux. C'est pourquoi Dieu comprend. Il dit, lorsque Dieu veut donner une idée sur la reconstitution du jardin d'Éden, suivez-moi très bien. Au temps de Noé, Dieu dit, je vais exterminer le méchant, mais je vais conserver des espèces. Dieu commence par dire, Noé, tu entreras avec ta femme. Les trois enfants de Noé rentreront avec leur femme. Les animaux, tu le prendras en couple. Deux à deux. Deux mâles et femelles. Mâles et femelles. Dieu commençait déjà à montrer que dans l'arche, ceux qui seront en sécurité, ceux qui seront sauvés, ils ne doivent pas être seuls. Ils doivent être à deux. C'est pourquoi nous disons que l'arche est un lieu de refuge pour le marié, pour ceux qui sont à deux. Et la véritable arche, nous savons aujourd'hui, c'est la tranquillité et la paix en Jésus-Christ, n'est l'un que ceux qui sont mariés. Et le frère Paul parle du mariage, il dit, dès Corinthiens chapitre 11, du 1er au 3e verset, il dit, « Je vous ai fiancé à Christ » pour vous présenter, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc le mariage véritable est entre l'homme, les hommes que nous sommes, et Jésus-Christ au travers de la parole de Dieu. Le mariage, c'est l'unification des deux corps, l'unification de deux êtres. Donc le mariage avec Christ, qui est la parole, c'est quand l'homme s'unit à la parole. Quand l'homme accepte d'épouser la parole, quand l'homme adopte la parole comme mode de vie, quand l'homme adopte la parole comme source de raisonnement et de réflexion, il ne peut raisonner que sur base de la parole. Il ne peut réfléchir que sur base... Je m'excuse.
Il ne peut réfléchir que sur base de la parole. C'est ce que nous appelons le véritable mariage. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, dans l'arche, Dieu appelle au salut ceux qui sont mariés. Deux à deux, ils entrèrent dans l'arche et ils conservèrent leur espèce. Le véritable arche aujourd'hui dans l'église, c'est pour ceux qui sont mariés. Et demain, nous partirons dans la véritable arche où nous serons en sécurité pendant que ce monde sera troublé, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, que ceux qui seront mariés, mariés à Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, Jésus-Christ, il est la tête et l'époux. Nous sommes les corps et l'épouse. Donc, le seul époux, c'est la parole. Et fils de Dieu ou épouse de Jésus, c'est celui qui marche selon la parole. Donc, Ecclésiaste dit, lorsqu'on est seul, on est malheureux. On a un salaire de misère, un salaire médiocre. C'est quand on est à deux qu'on a un bon salaire. On retire un bon salaire du travail. Et la Bible déclare, il montre déjà ce type de salaire. Le frère, le sage, l'ecclésiaste dit, si les deux tombent, oui, là je suis allé dans le sens exhortatif. Si les deux tombent, l'un relève l'autre. Nous savons que, prophétiquement parlant, l'homme est tombé, l'humanité est tombée à travers le péché d'Adam. Dieu nous a chassés, il nous a expulsés du jardin. Nous sommes tombés seuls. La Bible déclare, malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. Donc, tout le temps où nous sommes restés seuls, loin de Dieu, nous sommes restés dans la chute. Personne ne pouvait nous relever, même pas le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète naissait dans cette nature du péché d'Adam. C'est-à-dire, il naissait aussi dans la chute comme nous. Nous étions tous tombés, nous n'étions pas capables de pouvoir nous relever entre nous les humains. J'ai toujours donné comme exemple. Le maître nageur dans des piscines ou tout autour de plages, c'est des personnes qui savent nager. Parce qu'on ne peut pas mettre comme maître nageur pour surveiller une piscine une personne qui soit pas un véritable nageur. Parce que celui qui peut secourir une personne qui se noie, c'est celui qui est un maître. Il sait nager. C'est celui qui maîtrise l'art de la nage. Vous vous noyez, vous ne savez pas nager. Quelqu'un d'autre qui ne sait pas nager, qui vous promet, il dit je veux vous sauver. Donc c'est pratiquement impossible. Et c'est pourquoi nous disons que lorsque nous nous sommes noyés dans les eaux de la mort, le seul maître nageur qui est descendu du ciel pour venir nous sauver, c'est l'éternel Dieu lui-même dans le corps de son fils Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit à Isaïe, il n'y a de sauveur que moi. Et plus tard, l'ange viendra dire à Marie, à une femme, que le fils qui te naîtra, et à Joseph aussi, tu le nommeras Jésus, ce qui signifie le sauveur de son peuple. Simeon prie pour un enfant, il dit, j'ai vu les saluts. C'est-à-dire, le seul Dieu qui s'est déclaré être le seul sauveur en Ésaïe devait prendre les corps pour venir sauver l'homme qui s'est noyé. Alors, lorsque Dieu Esprit vient, il prend le corps, la Bible déclare, si le deux tombe. Donc, Dieu ne pouvait pas rester debout dans son caractère de Dieu Tout-Puissant, de Dieu Créateur, du lion. C'est pourquoi lorsque les disciples sont venus pour l'arrêter, plutôt les pharisiens sont venus pour l'arrêter, il leur posait la question, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus. Ils sont tous tombés. Là, c'est Dieu dans sa vigueur, Dieu dans sa puissance. Personne ne pouvait l'arrêter. Après, il va leur poser la question, mais qui cherchez-vous? C'est Jésus, dit le nom. Si je reste, c'est Dieu Tout-Puissant, les lions puissants de la tribu de Judas, ils ne pourront pas m'arrêter, je ne tomberai pas. Or, l'Écriture dit, pour relever celui qui est tombé, les deux doivent tomber. Donc, je dois tomber. Je dois devenir comme l'homme. Je dois devenir faible comme l'homme. Par sa chute, l'homme est mort. Donc, je dois accepter la mort pour tomber comme l'homme. Apocalypse chapitre 5. La Bible déclare, il y a eu un livre qui était scellé au-dedans comme au-dehors. Personne ne pouvait ni regarder les livres, ni l'ouvrir. D'abord, ni regarder. Ah, là, nous voyons
que ce livre-là qu'on ne peut pas regarder, c'est le soleil qui brille dans sa splendeur. C'est Dieu l'or de la force. Parce que Dieu commence la marche le matin. Le lever du soleil, c'est Dieu qui sort dans la maison d'Israël. À midi, c'est Dieu sur le mont Sinaï qui donne la loi. Le peuple dit à Moïse, personne ne peut supporter ces spectacles-là. Ces spectacles-là, personne ne peut le supporter. On ne peut pas regarder, voir ces dieux. Et Dieu même a dit, personne ne peut regarder le soleil. Personne ne peut me voir et rester vivant. Le psalmiste dit, personne ne peut fixer le soleil quand il brille dans sa splendeur. Le livre de l'Apocalypse 5, personne ne peut regarder ce livre-là. D'abord, si vous ne pouvez même pas regarder, alors comment allez-vous l'ouvrir? Rompre les sceaux. Personne ne pouvait regarder. Dieu qui marche du temps de la loi, c'est le soleil qui brille dans sa splendeur. Personne ne pouvait fixer les regards. Mais la course du soleil arrive jusqu'au soir. Les soirs, le soleil doit se coucher. Or, le coucher du soleil, c'est ça la mort de Jésus-Christ à la croix. Celui qu'on ne pouvait pas fixer, parce que quand il brillait dans sa splendeur, Dieu comme le soleil, Dieu que personne ne peut regarder ni toucher au soleil, il brûle. Mais ce soleil-là arrivé, le soir, il doit se coucher. Le coucher du soleil, Jésus-Christ, il appelle la mort le sommeil. La fille de Jairus, Jésus-Christ dit, la fille était morte, il dit, elle dort. Lazare était mort, il dit, il dort. Jésus appelle parfois la mort le sommeil. La mort de Jésus, le sommeil du soleil, le coucher du soleil se couche. Quand le soleil se couche, Dieu avait dit, le soleil c'est pour présider le jour et la lune c'est pour présider la nuit. Le coucher du soleil, la mort de Jésus à la croix, nous avons un autre, comment, un autre président de la nuit. La nuit, c'est la lune. Or, la lune, c'est le soleil dans sa faiblesse. On peut facilement regarder la lune. On regarde la lune, on constate que c'est la pleine lune ou je ne sais pas, c'est le premier quartier. On peut regarder, on peut fixer la lune, on peut le fixer. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la grâce, nous pouvons regarder notre Seigneur. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je suis dans la chute des deux. Il est seul, Adam est seul, chassé du jardin. Personne, malheur, nous l'avons lu. Malheur à celui qui est seul. S'il tombe, personne ne peut le relever. Mais si les deux tombent, les bons salaires, c'est que le deux, avant qu'ils aient les salaires de pouvoir être relevés, les deux doivent tomber. Le soleil, quand il sort, il ne peut pas. On ne peut pas le fixer, on ne peut pas l'ouvrir. J'en pleure. De ce qu'il n'y avait personne qui était capable de regarder le soleil, c'est-à-dire de regarder les livres de la loi et de pouvoir rompre les sceaux. On dit à Jean, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Donc, celui qui a dit les lions, il n'a pas faussé. Il dit, voici les lions, c'est-à-dire le seul capable d'ouvrir les livres, de regarder les livres et de l'ouvrir, c'est les lions. Nous l'avons vu à travers l'homme de Samson. Samson s'en allait à Timna, s'en allait plutôt chez les Philistins pour chercher une femme. Mais arrivé au milieu du chemin, à Timna, il a été croisé par un lion. Or, Samson est de la tribu de Dan. Lorsqu'on prophétise par Moïse sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion. Donc Samson représentait aussi un lion qui a croisé un lion. Mais la Bible déclare, Samson déchira les lions. Il lutte comme les lions de la tribu de Juda, mais il le déchire comme on déchire un chevreau. C'est-à-dire, c'est les lions qui étaient en face de Samson. Mais ces lions-là, s'ils gardent la nature du lion, on ne peut pas les déchirer et le miel ne sortira pas. Pour que le miel sorte, il faut que les lions prennent la nature du chevreau. Or, les chevreaux, Exode 12, étaient les substituts de l'agneau. Si vous n'avez pas un agneau, vous prenez un chevreau. Donc, les chevreaux, c'est la même chose que l'agneau. Les lions se fait passer pour un chevreau. Ça, c'est écrit dans les livres de Juges, chapitre 13 et 14. La bataille de Samson avec les lions. Si l'autre lion restait garder la nature du lion, personne ne pouvait le déchirer. Et les lions qui étaient dans son sein ne pouvaient pas
aujourd'hui, si Jésus avait gardé sa nature du Tout-Puissant, personne ne pouvait le tuer. Et Jésus qui n'était pas tué aujourd'hui, nous n'aurions pas ce miel que nous sommes en train de goûter aujourd'hui, qui nous ouvre les yeux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans le deux doivent tomber. Celui qui relève l'autre, on suppose qu'il était debout, il tombe avec celui qui était déjà tombé, devenir comme le premier, à accepter sa chute, afin que dans sa chute, il puisse relever celui qui était tombé. La paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Si les deux tombent, l'un relève l'autre, l'un relève son compagnon. La Bible parle des compagnons, c'est-à-dire le plus fort doit devenir les compagnons du plus faible. Il doit marcher avec le plus faible, devenir vraiment son compagnon. La Bible dit ceci. Un jour, les pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui posèrent la question. Que ferons-nous pour hériter le royaume? Jésus-Christ dit, qu'est-ce que dit le commandement? Ils ont résumé le commandement. Tu aimeras ton Dieu. Jésus-Christ dit, voilà. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute pensée. Oui, ça c'est le plus grand des commandements. Parce qu'ils ont posé la question sur le plus grand des commandements. Jésus-Christ dit, le plus grand des commandements, c'est qu'il doit aimer ton Dieu, Dieu qui est au ciel, qui est esprit. Mais il dit, et un second qui lui est semblable. Jésus, on parle d'un seul commandement. Tu aimeras ton Dieu, c'est fini. Il dit, un second qui lui est semblable, tu aimeras aussi ton prochain. L'autre dit, qui est mon prochain? Il comprend que le prochain là, ce n'est pas un homme de la terre. Qui est mon prochain? C'est alors que Jésus-Christ va donner la parabole du Samaritain. Un homme attaqué, un homme chute, tabassé, les sacrificateurs passent outre, le lévite passent outre, mais un étranger, un Samaritain, un étranger vint compatir au malheur de celui qui a été tabassé, il lui donna les premiers soins, il lui fait monter sur sa monture et le conduisit dans une hôtellerie où il prit soin de lui. Comment il a pourvu au moyen pour qu'on puisse le prendre en soin. Jésus-Christ pose la question de qui est le prochain de l'homme qui a été tabassé? On dit c'est les secouristes, c'est celui qui a secouru. Donc le vrai prochain de l'homme, c'est celui qui est venu nous secourir quand nous étions tombés. Vous voyez? L'homme était déjà tombé par les coups des brigands. Adam était déjà tombé par la domination de la mort, par la domination du dragon, du serpent qui devait manger la poussière. Adam, gissait déjà, était frappé à demi-mort. Nous étions frappés à demi-mort. Maintenant, il fallait que quelqu'un vienne nous secourir, les prochains. Alors, celui qui secourt l'homme frappé, Jésus dit, il est le prochain. Les compagnons, c'est pourquoi on dit, malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. Mais si le deux tombe, c'est pourquoi les Samaritains, quand il arrive, il doit laisser sa monture. La Bible déclare, il descendu de sa monture. Vous voyez, il était sur un endroit élevé. Il doit descendre de sa monture parce qu'il veut tomber. Il veut ramasser celui qui est à terre. Il est allé. Il veut devenir le prochain comme celui qui est tombé. Il descend. Il prend de l'huile et du vin, il verse sur ses blessures, il pense, comment, il pense ses blessures, il prend soin de lui. La Bible déclare, il le prend des terres où il était, il les fait monter sur sa monture. Vous voyez, lorsque les deux tombent, nous étions déjà tombés, frappés, parce que la Bible déclare cet homme-là avait quitté Jérusalem vers, se dirigeant vers Jéricho, une ville vers une autre ville. Et pendant le milieu du parcours, c'est là qu'il a été attaqué par des brigands et des bandits. Il tombe à terre, il reste à terre. Personne, la première sacrificature, ne pouvait pas nous relever. La loi, les prophètes, les psaumes, la première alliance des Sinaï, les animaux offerts, toutes ces choses-là, sacrifice de libation et consort, prophète, roi, juge, ne pouvaient pas nous relever. L'image par les sacrificateurs qui a vu l'homme est passé outre. Le lévite qui a vu l'homme est passé outre. Mais un Samaritain, un étranger, Jésus-Christ vient comme un étranger, parce qu'il était aussi étranger. Sa vraie nation n'est pas de la terre. Il est venu d'une nation céleste. Et il vient parce qu'il doit s'identifier à la personne qui était tombée.
C'est pourquoi dans le livre de Lévitique, on avait dit, lorsque un homme à qui on a donné l'héritage, une portion de terre, Lévitique 25, 25, et que cette personne, par pauvreté, vendait sa portion de terre. La loi disait qu'aucune portion de terre, aucun héritage ne peut passer d'une tribu à une autre. Alors, pour conserver l'héritage à celui à qui on l'avait donné, parce que Dieu avait donné les jardins à Adam comme héritage, mais Adam l'avait perdu. Adam n'avait rien pour payer sa dette et récupérer le jardin, retourner dans le jardin, récupérer sa portion. La Bible déclare son plus proche parent, son prochain, vous voyez, son plus proche parent, s'il a de quoi payer, il payera et récupérera la portion vendue afin que la portion retourne à la tribu à laquelle elle a été donnée. Adam, Dieu lui a donné une portion de terrain, jardin, garde le jardin. Dieu a conçu le jardin pour l'homme, il a mis l'homme. L'homme a péché, Dieu l'a chassé. L'homme est devenu pauvre. Il n'avait rien pour acheter, rien. Le frère Pierre écrira, nous n'avons pas été rachetés par de l'or et de l'argent périssable, mais au prix du sang, au prix de la vie de Jésus. Vous voyez, l'homme quitte sa monture, il descend. Les deux doivent tomber. Nous sommes morts par les offenses. Jésus-Christ doit devenir péché, porter notre nature du péché, afin de tomber avec nous, de manière à ce que dans sa chute, il puisse nous relever. Parce que quand il tombe avec nous, lorsque les Samaritains, les secouristes, les prochains, véritables prochains, quittent sa monture, il descend, il s'identifie à l'homme tabassé. On peut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a des hommes à terre. Ah, des hommes à terre. Mais il y a une monture qui est restée vide. Voilà, il a laissé sa gloire. Il est venu comme l'un de nous. Il nous prend, il nous ramène dans sa gloire. Il prend l'homme, après lui avoir appliqué le premier soin, le premier secours, il le ramène sur sa monture. Et quand il ramène l'homme sur sa monture, c'est alors qu'il peut l'amener dans l'hôtellerie. Deux valent mieux qu'un. Car de leur travail, ils retirent un bon salaire. Du travail de l'homme seul, Adam restait seul, la Bible déclare, la terre est maudite. La terre est maudite à cause de toi. Tout ce que tu sèmeras, la production sera des épines et des ronces. Les salaires minables. Mais lorsque le deuxième arrive, il tombe avec nous, c'est alors que par sa chute, il commence par bénir la terre qu'il avait maudite. Il enlève la couronne que produisait la terre, les épines, met les épines sous forme d'une couronne sur sa tête. Le châtiment qui nous accorde la paix est tombé sur lui. Le deux tombe, Jésus tombe comme nous. Je donne une petite illustration pour finir avant d'atterrir, de bondir dans l'exhortation. Adam, Paul dit, ce n'est pas l'homme qui a été séduit. Attention, la Bible ne déclare pas, ce n'est pas l'homme qui a péché. Il dit, ce n'est pas l'homme qui a été séduit. Là, on parle de la séduction, premièrement. Parce que les serpents ne s'étaient pas adressés à Adam. Parce que les serpents savaient. S'il passe chez Adam, Adam ne tombera pas parce que Adam, la parole était scellée en lui. Adam a écouté Dieu lui parler. C'est pourquoi c'est lui qui écoute Dieu. Dieu, quand il parle, il prend la plume, il écrit dans le cœur. Le ministère, la parole de Dieu, c'est les doigts de Dieu, dès Corinthiens chapitre 3, qui écrit dans le cœur de celui qui écoute. Et quand la parole est écrite dans le cœur, personne ne peut l'ôter. Adam ne pouvait pas chuter. Le diable ne pouvait pas passer par Adam pour le séduire. La preuve en est qu'avant que Ève ne puisse être créée, Adam avait déjà donné les animaux, les noms aux animaux, c'est-à-dire les serpents pouvaient déjà croiser Adam. Mais il ne pouvait pas s'aventurer. Pourquoi? Parce qu'Adam n'allait pas tomber. Parce que dans Adam était écrite la loi. Dieu parle, Dieu écrit la loi dans le cœur. Mais Adam a compris que la faiblesse de l'homme, c'est la femme. Adam passe par la femme. Plutôt, pas Adam, les serpents passent par la femme. Les serpents passent par la femme. La séduction du serpent, il s'adresse à la femme. La femme tombe. La femme parle à l'homme. L'homme ne mange pas parce qu'il a écouté les serpents. Non, 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 non. L'homme mange par amour à la femme. Parce que l'homme sait, comme cette femme a mangé, on la chassera. Et elle sera seule. Il n'y aura personne pour la sauver là-bas. Quand Ève sera seule, elle va souffrir.
il n'y aura personne pour la relever. Par amour à la femme, l'homme accepte de devenir comme sa femme. La femme a péché, elle a mangé, comme dit le frère Paul à Timothée, elle est devenue coupable des transgressions. L'homme doit devenir semblable à la femme. L'homme accepte de manger aussi les fruits. Dieu chasse les deux tombent. Mais écoutez, Dieu dit, une postérité sortira de la femme, une semence sortira de la femme pour écraser la tête du menteur, la tête du séducteur. Donc, si Ève était chassée seule, qui lui aurait donné la semence qui ferait naître le persécuteur ou les dominateurs du serpent? Donc, c'est pourquoi Adam a calculé par la loi qui était dans son cœur. Cette femme ici, j'accepte de la suivre. J'accepte de devenir comme elle. Jésus accepte de mourir afin que par sa mort, il écrase les serpents et qu'il nous donne à nous aujourd'hui la semence grâce à laquelle aujourd'hui nous sommes capables aussi de dominer sur les serpents, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut plus encore nous nuire. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est tombé avec nous. Vous voyez, Adam accepte de manger par amour. Je dois devenir comme ma femme. Je dois la supporter. C'est pourquoi même la Bible déclare, 1 Pierre chapitre 3 verset 7, dans le couple, l'homme doit supporter sa femme comme un sexe faible, sachant qu'ils devront hériter ensemble du royaume. Un homme qui ne supporte pas sa femme comme sexe faible aura des obstacles dans sa prière. C'est écrit comme ça. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Donc, un homme doit pouvoir supporter sa femme, reconnaissant que c'est un sexe faible. Nous allons hériter du royaume ensemble. Donc, quand un homme ne supporte pas sa femme, il ne reconnaît pas que ma femme, c'est le sexe faible, je dois la supporter. Lorsqu'un homme ne reconnaît pas cela, la Bible déclare, cet homme-là aura des obstacles dans sa prière. C'est-à-dire, Dieu non plus ne l'exaucera pas. Là, les hommes qui sont machos, les hommes qui comprennent mal la domination de l'homme sur la femme. Ils croient que la dominer sur la femme, comme la Bible dit, c'est maltraiter la femme, c'est faire de la femme sa boniche. Non, non. Un homme qui domine sur sa femme tient compte dans la domination des désirs de la femme. Savoir dominer sur sa femme, c'est savoir aussi répondre aux désirs de la femme. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Donc, le frère Paul explique, ce n'est pas l'homme qui a été séduit, c'est la femme, c'est Ève. Ainsi, elle est devenue coupable de transgression. Elle ne sera néanmoins sauvée si elle devient mère. Le frère Dina nous a déjà prêché sur ça. Donc, la femme devait devenir mère. Elle doit enfanter. Elle doit recevoir une semence. Et cette semence-là, qui doit la lui donner? C'est l'homme. C'est pourquoi l'homme doit nous suivre. Jésus doit nous suivre dans la chair du péché. Devenir comme nous. Mourir comme nous. Dans la chute, Jésus-Christ, par sa mort, il fait sortir l'eau et le sang pour nous purifier par l'eau et pour nous sanctifier afin de recevoir plus tard le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne descend que sur celui qui a reçu ces deux choses. C'est pourquoi les frères Jean écrit, c'est Jésus qui n'est pas venu avec l'eau et le sang seulement, mais il est venu avec l'eau, le sang et l'Esprit. Les trois sont d'accord. Par sa mort, on le perce de côté, l'eau et le sang sortent, c'est-à-dire la purification et la sanctification. Et après, le purifié et le sanctifié pourront aujourd'hui recevoir le Saint-Esprit. La colombe ne descend pas sur Jésus avant d'être plongée dans l'eau. Jésus-Christ doit d'abord être plongé dans l'eau, lavé par l'eau. La purification, c'est juste le modèle. Parce que lui n'avait pas de péché. Il est fait pour accomplir ce qui est juste. On prend Jésus comme le corps, comme l'église, comme toi et moi. On nous lave d'abord par l'eau du baptême, qui est le signe de la mort, c'est-à-dire dans le sang. C'est alors que Jésus sortit de l'eau, la colombe, le Saint, l'Esprit peut descendre sur lui. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc bref, je suis dans les bons salaires. Aujourd'hui, nous avons les bons salaires. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus seuls. Nous sommes avec le compagnon qui nous rend heureux. Parce que malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. On n'est plus seul, bien-aimé. Jésus nous a relevés à la croix. Ça, c'est prophétique. Ça, c'est spirituel. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire,
Voilà comment tu dois prier. Seigneur, tu m'as fait la grâce de te connaître. Tu as préparé mon cœur à te recevoir. Ah voilà, je ne suis plus célibataire. Je ne suis plus seul. Quelle que soit la circonstance, les circonstances, la situation dans laquelle je me trouve, j'ai confiance à toi. Job, déjà, dès son temps, il disait, il croyait, il espérait que le rédempteur se leverait les derniers. Job parlait par rapport à un temps où le rédempteur ne s'était pas encore levé. Parce que Job a vécu avant le relèvement ou l'avènement du rédempteur Jésus à la croix. Aujourd'hui, le rédempteur est là. Jésus s'est déjà levé. Il est à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Donc nous ne pouvons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas avoir la vision du monde comme on s'était en train de pouvoir le dire avec mes bien-aimés avant même qu'on commence avec la prière. On ne peut plus avoir peur parce que le rédempteur s'est déjà levé. Nous avons le rédempteur assis à la droite de Dieu, la Bible déclare, il intercède pour nous. Il nous aide même dans la prière par des soupirs inexprimables. Nous ne sommes plus seuls. Dans ta prière, oui, dans ton cœur, tu dois sceller Dieu. J'ai besoin d'un bon salaire. Je vais vivre les bons salaires, Dieu. La situation dans laquelle je me trouve, c'est une chute. Les deux tombent. Oui, Dieu. Si je tombe, ton nom aussi tombe. Ta gloire tombe. Parce que être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Oui, Jean l'a dit, Jean chapitre 1er. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je suis un homme de pouvoir par le fait que tu as préparé mon cœur à te recevoir. Et quand je chute, c'est ton royaume sur la terre qui chute. C'est pourquoi, lorsque les deux chutent, là dans l'exhortation, quand je chute dans le malheur, tu chutes avec moi. C'est ton nom qui est offensé aussi. C'est ta gloire qui sera offensée. Oh oui! Mardoché dit à Esther, si tu te rétractes à ne pas te présenter devant le roi, Dieu fera susciter les saluts par une autre façon. Mais toi et ta famille, je ne sais pas ce qui vous arrivera. Il ne faut pas Esther ignorer. C'est pour de telles situations que Dieu a permis que tu sois là où tu es. Si pour Esther, une reine, Dieu avait permis qu'elle soit élevée afin que tous ceux de sa race, Mardoché y compris, puissent être sauvés, puissent recevoir la faveur du roi. À combien de fortes raisons? Celui que Dieu a élevé par la souffrance, Jésus. Celui que Dieu a élevé par les douleurs, Jésus. Il a dit, lorsque le fils de l'homme sera élevé, vous saurez de quoi est-ce qu'il est capable. Le véritable serpent des reins, Jésus, a été élevé. Donc nous ne sommes plus seuls. Nous avons un frère auprès du Père. Nous avons un compagnon auprès du Père. Nous avons un rédempteur, un prochain. Notre prochain est là avec nous, à la fois auprès du Père. Donc, nous ne pouvons plus avoir peur. Nous sommes heureux. Malheur à nous quand nous étions seuls. Nous étions malheureux. Mais heureux que nous sommes parce que le rédempteur s'est levé. Parce que le deuxième est venu. Les compagnons, nous sommes compagnons dans la marche. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu marches, tu dois faire attention. Dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ce que tu regardes, dans tout ce que tu vis. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui attristent les compagnons. Oui, le frère Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et n'allez pas jusqu'à l'éteindre. Il y a certaines personnes qui l'ont complètement éteint. C'est-à-dire tellement que leur vie est médiocre, contraire à la parole du Seigneur, que l'Esprit s'est complètement éteint. L'Esprit s'est retiré d'eux. Ils sont restés seuls. Voilà aussi les répercussions de rester seuls. Dieu ne ment pas dans sa parole. Celui qui est seul est malheureux. Il t'arrive des choses catastrophiques parce que tu es aussi seul. Oui, le malheur doit nous atteindre parce que c'est la parole. C'est une partie de la prophétie. Le malheur atteint souvent le juste. Lorsque le malheur tombe, c'est-à-dire là nous tombons. Le malheur nous arrive, nous tombons. Et lui, il ne nous laisse pas. Il tombe avec nous. Mais comme la parole dit, celui qui tombe et celui qui tombe, quand ils sont à deux, l'un relève son compagnon. Quel que soit le malheur, la seconde partie de la prophétie s'accomplira. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel qui a pris la forme d'un homme, qui est tombé avec l'homme en acceptant le corps du péché par la mort, l'Éternel en délivre toujours. Dieu par la parole, au nom de Jésus, dans la foi, qu'il te relève de toutes les situations qui t'accablent. Que Dieu te fasse sortir de toutes les situations qui t'apportent l'humiliation. Que Dieu te relève, oui,
Que Dieu te débarrasse de tous les liens et chaînes des ténèbres qui apportent l'opprobre sur toi au nom de Jésus. Que par toi, le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Que par toi, la gloire de Dieu soit manifestée au nom de Jésus. Que par toi, l'élévation de Dieu soit visible au nom de Jésus. Que par toi, la victoire de la croix où le bien a triomphé du mal soit visibilisée au nom de Jésus. Que par toi, la victoire de la justification qui a dominer sur la condamnation soit manifesté au nom de Jésus. Que par toi, l'amour de Dieu soit matérialisé au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes plus seuls. À deux, ils retirent un bon salaire de leur travail. Pour aujourd'hui, que Dieu, dans sa miséricorde, vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la dernière partie et troisième.